C'est de dire simplement que si on devait dresser un bilan de ce qui s'est passé la journée du 17 juin, nous revenons pour rendre grâce à Dieu d'abord et féliciter le peuple sénégalais. Parce que Macky Sall, qui veut instaurer une dictature au Sénégal alors qu'il promeut dans le monde autre chose, avait misé sur un flop monumental, partant d'un raisonnement très simple, c'est que les Sénégalais ne seraient pas prêts à se mobiliser sur des questions relatives à des interdictions de manifestation ou à des éliminations non fondées de listes électorales, les listes de candidature. Ceci doublé au fait que depuis mars 2021, ils pensent avoir beaucoup travaillé à équiper en matériel de répression les forces de défense et sécurité, à les renforcer en termes de ressources humaines. Tout cela l'avait amené à considérer, en plus du travail de sape psychologique et moral qu'ils font tous les jours sur les médias, en visant particulièrement la jeunesse pour la démobiliser, il avait pensé que tout cela constituait un cocktail suffisant pour que les Sénégalais ne sortent pas manifester. Eh bien, je crois que le réveil a été brutal. Mais je veux dire simplement que si on veut apprécier l'échec ou le succès de l'un, des uns ou des autres par rapport à cette journée, je rappellerai simplement aux Sénégalais et à la communauté internationale qui nous suit qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un pouvoir qui a dit qu'au Sénégal, nous n'avons plus le droit de manifester, droit qui est inscrit dans la Constitution du Sénégal, dont l'article 8 dispose que tout Sénégalais a le droit de manifester librement. Et nous avions déposé une information administrative de manifester d'une manière pacifique, puisqu'on l'avait fait une dizaine de jours auparavant et que ça s'était passé dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de débordement. On a manifesté dans la sérénité, mais le succès en termes de mobilisation remporté par cet événement avait fait très mal à un Macky Sall qui veut faire croire à son entourage et à ses soutiens internationaux qu'il a fini de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons renouvelé cette information, il s'est débrouillé avec son administration pour interdire cette manifestation en violation flagrante de la Constitution du Sénégal. Nous avons considéré qu'on ne peut plus laisser faire Macky Sall. Depuis 10 ans qu'il est à la tête de ce pays, il gère ce pays de manière monarchique, dictatoriale. Il viole toutes les libertés. Il emprisonne les opposants en complotant, en instrumentalisant les corps de contrôle. Il élimine de la compétition électorale tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. On considère que ça ne peut plus prospérer. Et désormais, Macky Sall doit comprendre qu'on ne lui laissera plus le champ libre pour faire s'adonner à ce genre de pratique. Et donc, il y avait d'un côté Yewi Askanui qui avait mordicus décidé de manifester et le parti État, Macky Sall et sa coalition qui ont dit qu'on ne manifestera pas. Le monde entier est témoin qu'il y a eu manifestation au Sénégal et d'une ampleur qui dépasse largement ce qu'on aurait pu obtenir si nous avions laissé manifester dans la paix, dans la sérénité. Cette manifestation a braqué, a réussi à réorienter toutes les caméras du monde sur le Sénégal. Et la preuve, c'est que depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, on n'avait plus la présence de la presse internationale dans nos points de presse. Aujourd'hui, on a au moins 2 ou 3 organes internationaux. Et nous avons pu nous suivre la couverture de cette manifestation de manière très objective dans toute la presse internationale, anglophone, lusophone, hispanique, arabophone, dans toute l'Afrique. Ça a fait l'objet d'une couverture extraordinaire qu'on n'aurait pas eu si on avait été autorisé à nous rassembler de manière pacifique. Je vois M. Manker Ndiaye, qui a été ministre des Affaires étrangères et qui jouera maintenant aux Nations Unies, qui vient de dire que les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur le Sénégal. C'est effectivement cela. Et le monde va découvrir qui est Macky Sall.
Le monde entier va découvrir qui est Macky Sall. Un homme qui joue aux défenseurs de l'Afrique, aux démocrates, et qui refuse que les élections se déroulent normalement ici au Sénégal, et qui refuse l'amendement de la charte de la CEDEAO tendant à interdire le tripatouillage des constitutions et de dépasser deux mandats consécutifs. C'est ça Macky Sall qui se pavane dans les chancelleries et dans les palais mondiaux pour jouer au grand défenseur de l'Afrique. Moi, quand je le vois reçu, j'ai pitié à la limite, quoi. Il me dit, voilà quelqu'un qui se ment à lui-même, d'ailleurs. Qui ne comprend pas dans quel monde on est. Et ce monde va découvrir Macky Sall. Et on va l'aider à découvrir qui est Macky Sall. Un homme foncièrement violent et d'une méchanceté qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Dès que vous dites, je ne suis pas d'accord avec Macky Sall, dans sa tête, vous n'êtes bon que pour la prison ou pour aller au cimetière. Un homme qui n'accepte pas la contradiction, qui considère qu'il ne doit pas avoir d'opposition et qui pense que dans ce pays où on s'est battu contre le régime de Ablaye Wade, contre un troisième mandat, il était là en train de se battre. Il a écrit à toutes les institutions internationales. Ablaye Wade ne l'a pas empêché de manifester. Les manifestations qui se tenaient à la place de l'obélisque, on ne demandait même pas d'autorisation. Les forcings qu'on faisait pour aller à la place de l'indépendance. Et pourtant, il n'a pas été emprisonné. Il a pu compétir et gagner. C'est cet homme aujourd'hui qui veut vendre à la communauté internationale une dimension qu'il n'a pas, parce qu'il n'en a pas la hauteur. Ce qui est constant, c'est qu'on a manifesté, on a bruyamment manifesté, pas seulement à Dakar, puisqu'on a manifesté dans tous les quartiers de Dakar, dans toutes les communes de Dakar, dans la banlieue de Dakar, à Guédiaoué, à Pikine, et on en veut pour preuve que parmi les jeunes arrêtés, il y en a qui ont été arrêtés à Guédiaoué, il y en a qui ont été arrêtés à Yembel, etc. Ça, le monde entier l'a vécu. Et si on devait faire un bilan, nous dirons que nous avons largement obtenu gain de cause. Et si Macky Sall et son ministre de l'Intérieur étaient logiques avec eux, ils devaient venir nous arrêter, nous, qui avons appelé à manifester. Parce que ce qu'on reproche à Dj Fall, c'est un délit qui n'existe pas. Incitation à participer à une manifestation interdite. Incitation. Mais nous tous, on était ici dans cette salle à dire, à appeler les Sénégalais à sortir manifester. Donc ils doivent venir nous arrêter. Qu'est-ce qu'ils attendent? Là, les seules fausses notes, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Je dis les seules fausses notes. La première fausse note, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Peut-être que l'arrestation des leaders aurait pu partiellement être évitée, parce que moi, vers 15h, j'ai compris que Macky Sall, de là où il était, a bien lu la situation et a compris qu'il venait de suivre encore une énième défaite et qu'il allait méchamment et bêtement essayer de se venger et de se rattraper en arrêtant des leaders. Et la plus grande fausse note maintenant, c'est les pertes en vies humaines qui relèvent des actions gratuites de Macky Sall qu'on ne peut qualifier que d'assassinat. Et il n'en est pas à son coup d'essai. C'est des assassinats. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le doyen Habib Sy. Tôt ou tard, il faut faire la lumière sur toutes ces questions-là. Et les responsables, tous les responsables identifiés, aujourd'hui, il a sa justice qui passe tout son temps à pérorer avec un procureur et un truc. Il a sa justice politique qui valide les forfaitures. Mais cela va finir. Et nous attirons l'attention de tout le monde, magistrats, hauts fonctionnaires. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tôt ou tard, vous rendrez des comptes. Parce que tout ce qui se passe relève de votre responsabilité. Vous êtes complice des assassinats de Macky Sall, parce que c'est les décisions que vous prenez injustement et en violation des lois et de la Constitution qui entraîne tout ce qui se passe actuellement. Et vous le faites, après vous êtes tranquillement dans vos villas et vos palais, vous pensez que ça va se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc nous présentons une fois de plus nos condoléances, nous avions déjà fait, mais nous exigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice
Celui qui subit l'injustice et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. Et en ce moment, tous ceux qui sont responsables de près ou de loin de cette injustice devront subir les contre-coups de ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est ça. Et on ne voudrait pas en arriver à cela dans ce pays. Que les gens reviennent à la raison. Ce n'est pas parce que tu gères l'État que tu dois tout se permettre. Mais indépendamment de ça, nous allons continuer notre plan d'action. Et ce qu'on va faire, c'est que le 29 juin à venir, nous allons organiser une grande manifestation, qu'elle soit autorisée ou pas. Le terme autorisé est impropre. Qu'elle soit interdite ou pas, parce qu'en matière de manifestation, l'interdiction, c'est l'exception. Le principe, c'est l'autorisation. La loi est très claire. Que ce soit l'article 8 de la Constitution ou la loi de 1978. Le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives. Un, qu'il y a menace à l'ordre public. Deux, je n'ai pas suffisamment de ressources policières pour encadrer. Et ce n'était pas le cas dans la motivation du préfet la dernière fois. Et c'est pourquoi la Cour suprême, moi je l'avais dit ici, je ne crois pas à ces juridictions-là. Comment pouvez-vous comprendre? Même le procureur auprès de la Cour suprême a, dans sa plaidoirie, il a considéré que l'arrêté du préfet est illégal. Même le procureur, c'est-à-dire l'État. Le procureur a considéré que l'arrêté est illégal. Demandez à Maître Bamba Cissé qui était là-bas pour nous représenter. Et le juge, lui, sur aucune base, valide l'arrêté. Parce qu'il a probablement reçu l'instruction pour le faire. Et c'est ça le Sénégal. Et s'il avait pris la bonne décision, il n'y aurait pas eu trois personnes décédées. Et c'est un juge qui est là, qui fait ce qu'il veut. Et après, on dit, voilà, comment on appelle ça, respect de l'institution judiciaire. S'il avait pris la décision qui se devait ce jour-là, il n'y aurait pas eu trois personnes lâchement assassinées. Alors, le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Ça, c'est la première information. Et si Macky Sall veut empêcher cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message, qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le 29, personnellement, je ne serai pas confiné dans ma maison, je manifesterai, et qu'il soit prêt soit à m'arrêter, soit à me liquider. Je le dis devant le monde entier. Et ce que je dis est valable pour tous les leaders ici présents. Ensuite, ça c'est pour la date du 29. Pour le reste, si sa justice inféodée, moi je ne fais plus de distinction. Parce qu'avant, on essayait d'embellir pour dire « oui, il y en a qui sont ceci, etc. » Mais s'il y a des juges, des magistrats qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la justice, ils n'ont qu'à sortir pour le dire. Parce qu'il faut, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et être patriote. Mais tout le monde se tait. Et si vous rencontrez les gens dans les couloirs, ils vous disent ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc c'est la justice qui pose problème dans ce pays. Et s'ils instrumentalisent une fois de plus cette justice pour penser pouvoir emprisonner des gens sur des détails farfelus, nous, l'appel qu'on donne, c'est que tous les jours et de manière spontanée, et je parle particulièrement aux jeunes, n'attendez même pas le mot d'ordre. De manière spontanée, à tout moment, organisez-vous, quartier par quartier, commune par commune, département par département, pour organiser la résistance à Macky Sall. On n'a même pas besoin de demander une permission. Ça, c'est le 29 et on verra. Et à cette jeunesse, puisqu'elle semble être au centre de toutes les préoccupations, subitement, tout le monde sort pour adresser un message à cette jeunesse. Et il semble que nous utilisons la jeunesse comme de la chair à canon, ou on l'oriente vers autre chose. Moi, je dirais à cette jeunesse, nous n'avons pas de relation d'intérêt entre nous et vous. Nous ne vous avons rien donné ni rien promis. Au contraire, c'est vous-même qui vous cotisez quelquefois pour nous permettre de faire des activités. La relation que nous avons est une relation de confiance bâtie autour d'un projet pour le Sénégal et pour l'Afrique.
Et nous savions tous, en entamant ce projet, qu'il nécessiterait beaucoup de sacrifices. Il n'y a jamais eu de projet de ce genre qui ait pu aboutir sans qu'il y ait des sacrifices. Nous ne pouvons pas être irresponsables. Et il ne faut pas qu'on nous traite comme des irresponsables. Les ambitions que nous avons pour ce pays, et au-delà, n'ont rien à voir avec des responsabilités. Vous savez, même quand on rapporte ça sur le plan religieux, et le prophète était plus religieux que nous tous. Pourtant, il a monté des armées, il a fait des guerres et des gens sont morts. Parce qu'il était convaincu de détenir la vérité quand il le faisait. Qu'on arrête de nous dire certaines choses. Le jour où on sera convaincu de ne plus être dans le vrai, nous arrêterons tout de suite. Mais ce que je veux dire à cette jeunesse, que personne ne vous dévie de votre combat. C'est notre génération, parce que je me considère moi comme jeune. Je ne suis pas de toute première jeunesse, mais je ne suis pas un vieillard. C'est notre combat, c'est notre génération qui doit assumer sa responsabilité et prendre ce pays, le rendre aux Sénégalais et reprendre notre souveraineté nationale et notre destin. C'est ça la bataille. Ce n'est pas des questions d'avantage personnel. Et que personne ne vous dévie de cet objectif. Personne. Nous respectons tout le monde. Et il ne faut pas qu'on nous fasse croire que dans ce qui se passe au Sénégal, tout le monde est responsable. Il n'y a qu'un seul responsable. C'est celui qui utilise tous les moyens d'État pour taper sur les gens, pour emprisonner, pour écarter les candidatures. Il est le seul responsable. Celui qui utilise la police et la gendarmerie pour assassiner des manifestants qui n'ont que des pierres ou qui sont souvent qui viennent les mains nues. C'est celui-là qu'il faut considérer comme le seul responsable. Et celui-là même vient de reconnaître qu'entre l'Ukraine et la Russie, il y a un agresseur et un agressé. Dans tout conflit, il y a un agresseur et un agressé. C'est ça la vérité. Et tout le Sénégal sait qui est l'agresseur. Tout le monde le sait. Maintenant, qu'on ait le courage de le dire ou de ne pas le dire. Et c'est pourquoi nous maintenons notre combat. Nous n'y changerons absolument rien. Et nous maintenons notre mot d'ordre vis-à-vis de tous les Sénégalais, vis-à-vis de particulièrement la jeunesse, la diaspora, les intellectuels, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de transport, les agriculteurs, les marailleurs, les étudiants, tout le monde. Et même les journalistes. Parce qu'il y en a qui jettent des cailloux de temps en temps, j'en ai vu. Et nous voulons également, et j'en terminerai, redonner la parole au peuple, ou donner la parole au peuple. Parce que ce qui se passe doit avoir un arbitre, et l'arbitre c'est le peuple sénégalais. Puisque nous tous, nous nous adressons au peuple. Si nous devons aller aux élections, c'est le peuple qui doit trancher. Donc quand il y a un conflit, le peuple doit trancher. Tout le monde ne peut pas aller à des manifestations, nous en convenons, pour des raisons variées. Mais tout le monde peut participer et exprimer son mécontentement. Et c'est pourquoi nous voulons demander à ce peuple, nous voulons proposer à ce peuple un autre moyen de lutte pour s'exprimer et envoyer un message à Macky Sall. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Macky Sall gère le pays, ce que nous vous proposons, c'est des concerts de casseroles et de klaxons. À partir de ce mercredi, après-demain, à partir de 20h00, que tous les Sénégalais, en tout cas tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall, ce n'est pas cher payé, c'est de se mettre sur votre balcon, sur votre terrasse, devant votre maison, de prendre des casseroles et de taper là-dessus pendant 10 minutes. Que toute la ville, que tout le pays bruisse de ce concert qui exprime un mécontentement et qui envoie un message à Macky Sall et à la communauté internationale. Que tous ceux qui sont véhiculés, qui seront dans la circulation, ou même qui sont garés devant leur porte, qu'ils descendent et qu'ils klaxonnent, qu'ils actionnent leur klaxon pendant 10 minutes, que tout le Sénégal bruisse et que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ses velléités dictatoriales, mais avec son projet funeste de troisième mandat, qui, si l'on n'anticipe pas, risque de coûter très cher au Sénégal. Ku atéwul nak di nga arté,
comme dit le proverbe. C'est maintenant qu'il faut le faire et le meilleur arbitre, c'est le peuple sénégalais. Nous renvoyons cela au peuple sénégalais. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous à très bientôt. Merci. Merci, merci.